Wow, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Sweban. Dans le témoin puissant précédent, nous avons découvert que le diable et ses démons nous surveillent 24 heures sur 24. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous avons juste décidé de vous montrer une vidéo qui va tout illustrer ici. Ça va vraiment être chaud. Suivez-nous. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Nous préparons le dispositif parce que ça va être chaud. Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Regardez bien l'écran. À l'écran, on voit tout simplement un lion. Et on voit une femme qui est ici. Est-ce que vous voyez? Mais bien sûr que oui. Ok. Regardez bien. Ce lion et une femme qui est là. Et en bas, il est écrit quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il est écrit le diable égale le lion. Et ce lion-là, que fait-il en général? Regardez bien. En général, ce lion-là, il est autour des humains et il rôde. Et il cherche qui il dévorera. Et la chose qui permet au diable de pouvoir bien travailler dans la vie des gens, même pour les conduire même à la mort, même pour les dévorer, c'est le péché. Donc le péché est la chose qui ouvre les portes au diable. Et ce que nous allons voir par la suite va vous étonner. Où est-ce qu'on se trouve ici? Ici, on se trouve tout simplement à l'église, dans une église. Et là-bas, les gens sont en train de tout simplement lire la parole de Dieu et même découvrir ce qu'ils doivent découvrir pour pouvoir avancer et même être pur. Regardez ça. Et quand les gens sont dans cet état, dans les églises, en train de chercher Dieu, que se passe-t-il? Dieu les protège et il les protège ainsi. Une couverture qui vient se positionner sur eux pour les protéger. Est-ce que vous voyez? C'est extraordinaire. Et ces trois éléments-là sont des éléments, c'est-à-dire cette protection-là est nourrie par la prière, le jeûne et la lecture de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle même la méditation. Est-ce que vous comprenez? C'est exact. Mais pendant que vous êtes en train de prier et que vous cherchez Dieu constamment, le diable, le lion, il est toujours là derrière vous, juste à vous. Il est là et vous attend. Il attend la moindre faille pour pouvoir vous attaquer. Exactement là. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ça. Regardez ce que le diable fait. Et regardez comme cette femme est très très bien protégée ici. Est-ce que vous voyez? Là, ça devient sérieux. Ça devient plus sérieux que sérieux. Et ce lion rôde. Le diable, il est en train de faire quoi? Rôder. Il est en train de rôder. Il cherche. Il cherche. Il tourne autour de cette femme. Juste pour chercher à voir les moindres faibles failles pour pouvoir entrer, pour pouvoir entrer dans sa vie. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Regardez très bien. Il rôde et il rôde. Mais un jour va arriver où cette femme va pécher. Et quand elle va pécher, regardez, en allant dans un, par exemple dans un concert ou encore en faisant tout autre péché, ce qui va se passer, c'est que le voile ou encore la protection divine de Dieu va carrément quitter là. Et vous regardez comment ça va s'enlever. Regardez comment ça quitte la femme. Vous avez vu ça? Ça la quitte comme ça. Et quand ça la quitte, que se passe-t-il? Le lion que le diable, il se prépare maintenant, il se réjouit d'abord. Regardez comment il est content. Il est très très content. Parce que pour lui, waouh, ça va aller. Ce qu'il cherchait enfin. Il va la voir. Et là, il est sous l'émotion. Et il se réjouit parce qu'il va maintenant dévorer sa proie. Et regardez comme il va bondir. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Revenons juste un peu en arrière. Regardez comme il va bondir. Il est prêt, il est chaud, il attendait ça depuis très longtemps. Oh! Le diable attendait ça, regardez ça. Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Et c'est réel. Et quand le diable a bondi sur elle, c'est ça, spirituellement parlant, ça s'est passé. Spirituellement parlant, le diable aura déjà dévoré son âme. Ou encore son esprit, c'est ce qui lui permet de vivre. Maintenant, physiquement, ils vont programmer
un accident. Et elle, elle va mourir par accident. C'est pourquoi vous voyez tout ça à l'écran. Maintenant qu'elle a eu accident, elle va se retrouver d'abord à l'hôpital. C'est exactement ça. Elle sera dans le coma. Et cela va rendre l'âme. Comme vous voyez là, son âme sort de son corps. Et quand son âme sort de son corps, elle est toujours couchée. Mais à ce moment-là, là où elle est dans cet état-là, elle est soumise au traitement des esprits. C'est-à-dire que ce sont les esprits maintenant qui vont s'occuper d'elle. Si elle s'est bien comportée durant sa vie sur la terre, c'est un ange qui va venir la chercher. Au cas contraire, ce sera un démon, comme ce démon que vous voyez déjà à l'écran. Regardez ce démon-là. Et ce démon-là vient se saisir de son âme. Et ça fait vraiment peur. Regardez ça. Et elle est sans force. Elle n'a pas de force. Elle ne peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas se défendre. Regardez bien ça. Regardez ça. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Et c'est exactement ça. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu nous conseille beaucoup. Il nous dit d'abandonner le péché. Toutes sortes de péchés. Et ces démons-là, ils travaillent nuit et jour pour voir les gens dans le péché. Et ce démon qui est venu la prendre va tout simplement l'amener en enfer. En enfer. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. C'est juste une illustration de ce qu'on vous raconte la plupart du temps. Et l'enfer, c'est similaire à un truc pareil, où on ne voit que le feu, les flammes et tout ce que vous connaissez. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Tout ce que nous vous racontons ici sur Nuance Reborn, ça va prendre au sérieux. Oui, même hier sur Nuance Reborn, nous avons travaillé une vidéo très puissante. C'est la chaîne qui se présente ainsi. Nous avons vraiment travaillé. Et cette vidéo est juste là, en bas ici. Regardez là. C'est le témoin puissant qui est là. Voyez-vous? Le diable et ses démons surveillent les humains 24 heures. Surveillent les gens du monde 24 heures sur 24. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Mes frères et sœurs, à la fin de cette vidéo va apparaître. Vous pouvez juste cliquer là-dessus et regarder ce témoin puissant et vous préparer un autre témoin puissant qui va apparaître, qui va venir aujourd'hui. Et ce témoin puissant qui va suivre même cette vidéo va nous parler des démons des démons qui travaillent avec le diable dans des domaines bien spécifiques pour maintenir les gens dans le péché et venir les prendre après pour les conduire en enfer. Et ça, on va nous expliquer aussi comment le diable récompense les démons. Mes frères et sœurs, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Et vous pouvez également vous abonner sur nos deux autres chaînes qui sont même ici. Abonnez-vous sur Nuance Reborn 2, ici. Et Nuance Reborn 3. Ce sont les deux autres chaînes qui nous appartiennent. Nous voulons atteindre les 200 abonnés pour les 200 abonnés supplémentaires pour Nuance Reborn 3 et les 400 abonnés pour Nuance Reborn 2. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo et souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de ce que nous venons de voir ensemble. Mes frères et sœurs, le péché est la chose que vous devez éviter à tout prix. Faites tout pour fuir le péché. Faites tout. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Nous ne sommes pas ici pour rigoler. Et dans la prochaine vidéo témoin puissant qui va apparaître, ça va vraiment être chaud. Partage cette vidéo, tu vas aider quelqu'un à ouvrir les yeux et à fuir le péché. Vous avez vu comment le démon est venu se saisir de l'âme de la femme là? Ça fait peur, hein? Et c'est la réalité. Toi, tu, peut-être tu soulèves des poids. Tu vas dire, oh, face à ce démon, tu vas le frapper. Tu ne peux pas. Pas te fatiguer. Faut même pas te fatiguer. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Et nous allons découvrir dans le moindre détail le témoignage d'une fille. Une fille, elle a vu ces choses-là elle-même. Elle les a même notées. Elle va nous expliquer ça sous forme de témoignage dans la prochaine vidéo. Ne manquez pas cette vidéo. Et quand vous vous abonnez, cliquez sur s'abonner. Comme en dessous de la vidéo, si vous n'avez pas quoi faire, vous cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche surtout pour l'activer. Pour ne pas manquer tout simplement la notification sur les sorties de nos prochaines vidéos. Et vous-même, soyez toujours connectés. Et soyez toujours prêts. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous. Merci pour vous.